Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien et on se retrouve sur WWE 2K14 pour un match qui va opposer The Most Electrified Man of All Entertainment, The Rock. The Champ is here, John Cena et l'immortel Hulk Hogan contre The Shield. Believe in The Shield. Woman, Dina Rose, Seth Rollins et Woman Reigns. Et on accueille le premier des 6 superstars, enfin du moins le premier des 3 superstars, Hulk Hogan. Et on a la reine WrestleMania 17. J'ai décidé de faire un match, donc je les ai mis tous old school. J'ai mis Hulk Hogan à l'ancienne. D'ailleurs Hulk Hogan, donc c'est un match qui m'a été proposé par Gin du Limousin. Hey Gin du Limousin, t'aimes bien les limousines? Oh là là, Limousine, c'est pas mal, je veux dire, c'est bien quoi, c'est... Ouais, moment de solitude. En tous les cas, Hulk Hogan, toujours accompagné de sa petite guitare. Enfin, sa fausse guitare, du moins, parce que c'est pas une vraie guitare. T'as cru que c'était une vraie guitare? Il est con, il a cru que c'était une vraie guitare. Oh là 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 là. Hulk Hogan, The Rock et John Cena, équipe de ouf. Enfin, du moins, John Cena, je l'ai mis en mode Basic of Tenagamix, avec ses premiers fringues de la WWE qui datent de... Parce que Cena a commencé dans les années 2000, si mes souvenirs sont bons, 2002 ou 2003, mais il me semble 2002. Il a vraiment commencé en même temps que Randall K. Orton. Enfin, peut-être un peu avant, je sais plus exactement. Enfin, bon, bref, l'immortel Hulk Hogan, avec sa tenue, donc vous l'aurez normalement tous reconnu, hollywoodienne. Donc voilà, Hulk Hogan, qui est bien et bien puissant. Il est costaud, Hulk Hogan, hein. C'est pas pour dire, mais il est vraiment costaud. Donc ils font face à The Shield, Woman Reigns, Seth Rollins, Dina Rose. Et on accueille John Cena de West Newbury, Massachusetts, cousin Tahurakai, tac tac tac, tic tac, ça fait zizir. Ça fait zizir, ça fait plaisir, ça fait zizir. Ça fait zizir, ça fait plaisir, ça fait zizir. On accueille John Cena, on accueille John Cena. On accueille John Cena, pom pom. Et ouais les mecs, WrestleMania 17. John Cena, the champ is here. L'homme qui a battu Bray Wyatt à WrestleMania 30 justement. Et là c'était WrestleMania 17. Imaginez-vous, entre WrestleMania 17 et WrestleMania 30, il s'est passé énormément de choses, énormément de pay-per-view, énormément de Monday Night Raw et de Friday Night SmackDown. Donc voilà, John Cena, the champ is here. Il enlève toujours sa chaîne, sa casquette, comme à son habitude. Tout le monde le connaît normalement. Donc la chanson, il l'a pas changée depuis des années. He's cooking. Ho ho ho! Ladies and gentlemen, if you smell what the Rock is cooking. Ho ho ho! If you smell what the Rock is cooking. Ladies and gentlemen, the People Champion. The most electrified man of all entertainment, The Rock. Toujours avec ce petit œil, ce petit regard là de mec qui se la pète, ce petit regard de qui veut tout dire, ce petit regard qui veut dire toi je vais te descendre. Toujours accompagné de son taureau sur son bras. Je me rends compte qu'il l'a depuis des années, hein. À mon avis il l'a fait quand il avait, je sais pas à partir de quel âge on peut faire des tatouages, mais il me semble que c'est 17-18 ans, enfin par là. Parce qu'à 12 ans, tu peux pas tatouer. Hein. Et encore pire, je peux pas tatouer ton enfant de 2 ans. D'ailleurs, si quelqu'un tatoue son enfant de 2 ans, il peut avoir des problèmes par la justice. Je dis ça comme ça. Voilà. Il me semble que c'est interdit par la loi. Donc voilà, petite information comme ça. Si vous avez 30 ans et que vous avez un gosse et que vous voulez le tatouer, si vous regardez cette vidéo, sachez que c'est très très mal. Voilà. Petite vidéo annonce. Toute pourrite, mais c'est pas grave. Oh là là, ladies and gentlemen, veuillez accueillir The Shield, les trois personnes qui représentent l'injustice. Believe in The Shield. Et comme l'a dit Triple H récemment à Woman Reigns, believe in the evolution. Ladies and gentlemen, The Shield va faire face d'ailleurs à Extreme Rules, à The Evolution. Evolution contre The Shield à Extreme Rules, et ça va être énorme. En attendant, ils affrontent Hulk Hogan, l'immortel, contre The Rock. If you assume what The Rock is cooking. Et enfin, John Cena, the champ is here, et contre The Shield, les WWE Tag Team Champions, entre autres, Roman Reigns et Seth Rollins, et le United States Champion, Dean Ambrose, The Shield, Hulk Hogan, Rock, Cena,
c'est maintenant. Et ouais, et je contrôle. Devinez qui? Hulk Hogan, John Cena et The Rock. Voilà, ça fait plaisir, hein, c'est normal. Voilà, donc Hulk Hogan et je fonce et tiens, voilà, petit coup de balai pour le calmer. Super, merci beaucoup, je m'y attendais pas du tout. Attention, voilà mon pote, attention, on va le prendre. Et voilà, l'enchaîner, c'est contré par Roman Reigns. Roman Reigns, il est chaud et tiens mon pote, Hype Toast parfaitement exécuté. Et là, on va le prendre. Un coup de poing, deux coups de poing et trois coups de poing dans la face de Roman Reigns. Allez, troisième corde, attention, attention, et Double Axe 2 parfaitement exécuté. Oh oh oh, et attention, et le elbow qui touche la cible. Ils sont en extase, Rock et Cena de l'autre côté. C'est pas grave. Attention, projection dans les cordes. Putain, il m'a... Attention, premier changement avec Seth Rollins. La moitié de WWE Tag Team Champion et le elbow parfaitement exécuté. Beau travail d'équipe entre deux chiens là. Comme d'habitude, attention, oh la souplesse. Oh mon dieu, la butterfly souplex parfaitement exécuté. Il me relève. Laisse-moi tranquille. Et tiens, GDT, voilà, tu restes tranquille ou pas là? Allez, on le retourne. Projection dans le coin. Allez, on va faire le changement avec John Cena. C'est parti. Attention. Attention, projection dans les cordes. Attention, et d'abord, back body drop, parfaitement exécuté. Et tiens le spear, voilà, attention, et merde, ok, super. Laisse mon pote, attention, attention, Seth Rollins, pour la bombe, sur Hulk Hogan. Oh mon dieu, attention, on va se jeter, tiens, parfaitement exécuté. En tous les cas, c'est un Mikao, mais ça aussi Mikao, Seth Rollins, donc c'est le principal. Et Hulk Hogan, merci beaucoup de ton aide, qui va le ramener dans le ring. Attention, Hulk Hogan, va-t-il réussir? Je précise encore que The Rock n'est pas rentré, il y a eu que Hulk Hogan et John Cena jusqu'à maintenant. Et le elbow pour calmer Seth Rollins. Allez, deuxième corde, troisième corde. Attention, attention à Seth Rollins. Seth Rollins qui place John Cena. Attention à Seth Rollins qui va le chercher avec un egg breaker Joe de la troisième corde. Ouh loulouloulou. Ouh, j'ai plus de dents. Comment je vais faire pour me laver les dents? J'ai plus de dents, laver les dents. Ah là 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 là. Pas mal ça, ce jeu de mots là. Ah, je kiffe, je suis pourri en jeu de mots en fait. Attention, attention, le body slam pour calmer Seth Rollins. Allez, on va monter sur la deuxième corde, troisième corde. Attention, et tiens, la descente de la cuisse, autrement dit, leg drop. Allez, mais reste tranquille, leg toss, parfaitement exécuté. Faut rester tranquille, hein, j'ai trop l'habitude des comptes maintenant sur WWE. Touquet en tous les cas. Allons le prendre. Attention, et tiens, on va le calmer. Je m'attends vraiment à WWE 2K15, à vraiment à du lourd, surtout qui va sortir sur Xbox One et PS4. Donc, faut vraiment s'attendre à un jeu de gueudin. Moi, j'espère vraiment avoir la PS4 le plus rapidement possible. Et tiens, c'est contre. Attention, on prend cette release. Attention, et là, belle et souplex de John Cena pour le calmer. Allez, on va se casser. On va chercher. Attention, Roman Reigns qui va me ramener dans le ring. Et voilà, John Cena est dans le ring. John Cena, Dean Ambrose, c'est tout de suite. Bon, Dean Ambrose, tu viens là déjà. Running Bull, désolé l'arbitre, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Allez, allons le prendre. Allez, on va retourner le bras, attention. Et on va l'emmener de l... Merde, super, franchement, Hulk Hogan tourne. Attention, on l'aide avec Hulk Hogan et la gifle directement pour calmer Dean Ambrose. Et c'est contré, Dean Ambrose qui est toujours là. Attention, c'est contré encore une fois. Oulala, attention, super. Ok, t'as touché mon pote, je te prends. Et je vais te calmer avec un body slam, voilà. Ce serait bien de faire entrer un peu de Rock, après je dis rien. Attention, et tiens, la descente du genou parfaitement exécutée. Attention, on le prend. Et on va travailler la tête à la Dolph Ziggler ou à la Mr. Perfect. Hé. Allez, on le prend. Projection dans le coin. On va faire un changement avec cette fois-ci de Rock. Bon, merde, ça a pas marché, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Et oh, tranquille, mon pote, reste tranquille, tout ira bien. Attention, et la back souplex sur Dean Ambrose. Hé, mon pote. Et tiens, on va calmer un peu sa tête. Franchement, je l'ai vu venir, Dean Ambrose. Hein. Dean Ambrose, il essaye trop de faire Dean Ambrose. Ambrose, la force du fruit. Dédicace à fusion en même temps. Merci beaucoup de m'avoir fait passer par du Dragon Quest. C'est vraiment super, t'es génial ski. Allez, je retourne dans le ring. Ok, super, John Cena qui bug. Allez, merci Rock. Allez, première aide de Rock, le soutien de Rock. Et tiens, Témi, voilà. S'il y aurait Ric Flair, il aurait fait wouh. Mais il l'a pas fait vu qu'il est pas là. Sinon, il l'aurait fait. Enfin, du moins, j'imagine. Enfin, je l'espère. Attention, Ambrose, on va le garder. Allez, projection dans le coin. Et Rock, pourquoi tu pars? Bon, on va faire le changement avec lui du coup. Allez, attention, on le projette dans les cordes. Attention, qu'est-ce qui se passe? Attention, double, oh, double coup de bélier. Et l'entrée de l'immortel Hulk Hogan. On va le reprojecter. Je vais peut-être refaire le changement. Je le fais ou je le fais pas? Allez, je le fais. Allez, John Cena qui revient dans le ring. Allez, encore un changement. Quelle bonne entente entre les deux hommes. Et double, back body doit parfaitement exécuté. Il a volé le mec. Allez, il est parti pour le FU. Attention, The Rock qui va calmer Roman Reigns. Attention, FU. Attention, Hulk Hogan, le spear. Attention, FU, c'est porté. Boum. Attention, le tombé. Et un, et deux, et trois. Ouh, ouh là là,
aux magnifiques victoires de John Cena, de Hulk Hogan et du Most Electrified Man of All Entertainment, The Rock, qui n'a absolument rien foutu dans ce match. Et l'homme du match a été John Cena, vu qu'il a mis un terme à ce match et qu'il a été plus présent. Et Hulk Hogan, les deux hommes du match, c'est eux. C'est eux, gros respect. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Hulk Hogan et John Cena forment une super équipe. Voilà, il y a eu au moins 3 changements entre les deux. Et on voit le magnifique, normalement, Back Body Drop qui l'a fait passer par-dessus les deux hommes. Et ensuite le FU, le tombé 1 et 2 et 3, ils sont venus trop tard. Et voilà, les gagnants de ce match sont John Cena, The Rock et Hulk Hogan. Et ils viennent de battre The Shield. Believe in the Shield. Merci encore à Jean. Attendez, je retrouve le nom. Jean du Limousin pour ce match. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.